Hey YouTube! Allez, si on faisait un petit match. Pardon. Bonsoir tout le monde, bienvenue au Parc des Princes, bienvenue à Paris. Et oui. Benjamin Da Silva pour vous faire vivre ce match avec l'ancienne gloire de Vélez, Omar Da Fonseca. Première journée de phase de ligue dans cette Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain face au PSV Eindhoven. La campagne démarre, il faut être au rendez-vous très vite et ne pas perdre des points. Et ouais. Salut les enfants. Donnarumma qu'on retrouve dans le but, Achraf Hakimi avec Nuno Mendes dans les couloirs et enfin en attaque ça jouera donc avec une pointe. Ah le 11 novembre. Que du positif cette expérience, franchement j'en ressors grandi, comme j'ai dit, c'est incroyable, j'ai pris... Leur principal atout, c'est cette capacité à presser leurs adversaires de manière étouffante. Il faut une grande intelligence collective pour arriver à coordonner, à organiser, à mettre en harmonie tous les déplacements. Ouais, c'est très beau à voir d'ailleurs. Oui, ça ressemble à des nuées d'oiseaux dans le ciel. Allez. Allez, c'est parti. Le coup d'envoi de ce match avec le Paris Saint-Germain qui a le ballon. Magnifique, quelle passe. Mais non. Hors jeu, c'est dommage parce que le ballon était pourtant intéressant. Oui, l'appel aussi était bon, mais le ballon était un peu feignant sur ce coup-là. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Et ce ballon qui leur échappe. Ah, c'est bien parti. Mais il n'y a personne. En bonne position pour frapper. Oh là là. Ça revient. Pas vrai. Ouais. Ça partait bien, mais ça s'arrête là. Ça vient rebondir sur le... la frappe. Et très bonne intervention du gardien. Pose gardien. Luc de Jong. Et la frappe, la frappe contre Emily, encore danger. La frappe au... Oh, le plongeon de Donnarumma pour éloigner le ballon. Et l'arbitre revient sur la faute commise au départ et brandit ce carton jaune. Qu'est-ce qu'il a? Corner, c'est réceptionné, attention, et cette frappe finit très loin du but adverse, elle n'inquiète personne, à part peut-être son banc de touche.
il faut continuer à travailler devant le but pour corriger ses trajectoires. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé sur le côté, il a de l'espace. L'occasion de prendre l'avantage. Excellent, le geste défensif là. La bonne couverture du ballon. Ah, la perte de balle. Ouais, ballon par-dessus. Allez, Barcola. Sur l'aile, le Paris Saint-Germain, un petit peu de liberté. Zaïre Emery. Intervention du gardien. L'arbitre dissipe la faute et ça donne un coup de faute. Ah oui, il y a faute là, monsieur. Allez, allez, allez. Ah, c'est pas bien tiré, ça va droit dans le mur. Comment ça, j'ai pas bien tiré. Et ça peut être dangereux. Une nouvelle occasion ici. Oh, le face-à-face perdu, la frappe puissante, ce n'était pas la meilleure option. C'était trop risqué de passer en force. Super pressing et la récupération très haute. Bah, il faut centrer là-dessus. La conduite de balle de Dembélé. Oh, et c'est bien servi. Le tir est puissant, le train est perdu. Il faut garder toute sa lucidité. Concentration. Oui, le bon geste défensif. Ouais, les supporters attendent la frappe. Ouais, le ballon renvoyé par le gardien. Attention. Ah but, le ballon relâché. Et c'est bien suivi derrière pour le mettre au fond des filets. Dans le but. Malheureusement, dans le but, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et là, l'erreur, on le revoit. C'est ce ballon qui est mal contrôlé et retombe dans les pieds adverses. Derrière, à ce niveau, bien sûr, ça ne pardonne pas et ça fait. Allez, voyons comment le PSV réagit après ce but encaissé. Noah Lang. Attention la frappe. Oh, ce ballon, il passe vraiment pas loin. Très bien tenté. Pas loin. Toujours ce petit but de retard. Faut m'énerver ce gardien. Ah Moukile, faut pas perdre le ballon. Avec de la puissance malheureusement de peu à côté.
Allez, allez, Paris. Ah, c'est pas bien relancé là de la part du gardien. Eh, on essaye pas dessus. Et là, ça passe largement à côté du cadre. Tu peux frapper, pas de problème, mais il faut cadrer. Oui. Ouais, une bonne charge. Olé, belle technique là. Avec Joey Verman. Et le pressing sur le porteur. Et le pressing pour intercepter ce ballon. Ah, la passe profondeur là pour Bakayoko. Et la parade, mais ce n'est pas fini. Excellente pression. Noah Lang. Et cette frappasse qui fait trembler l'adversaire. Excellente intervention. Le ballon vers Noah Lang. Verman avec le ballon. Noah Lang avec la balle. Ouais, c'est bien joué. Quelle claquette! Pourquoi pas? Ça joue court. Ah, le centre, il y a du monde. À la tête, c'était sans doute le geste à faire, mais malheureusement, ça passe à côté du cadre. Ouais, bonne intervention. Il y a du soutien en attaque. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Ah, peut-être l'égalisation. Belle tentative, mais sans réussite. Oula, c'est pas la meilleure relance du monde, ça. Eh oui, c'est bien vu, ça. Verman avec le ballon. Ah, une frappe lourde, un peu comme vous, mais elle passe finalement assez loin du cadre. Et ce qui manque, c'est la précision, votre principal défaut.
Ouais, c'est bien fait, ça, sans faute. Et ouais, l'équipe progresse bien, ça peut être dangereux. Et on lève la tête, là, peut-être un centre. Alors, ce corner, c'est peut-être l'occasion de revenir au score. Ce coup de pied arrêté et joué court. Un ballon bien travaillé pour ce centre. Tentative en force, mais le ballon passe loin du but. Si près du but, c'est vraiment dommage. Et la grosse intervention là. On voit que l'équipe visiteuse a pris le match en main depuis une quinzaine de minutes. Ce qui compte maintenant, c'est de maintenir cette intensité jusqu'à obtenir l'égalisation. Ouais, c'est un pressing efficace. Voilà, très belle ouverture. Quel dommage, à mi-distance comme ça, c'est pourtant bien joué. Effectivement, on n'est pas passé loin de l'égalisation. Ah non, la mauvaise passe, ce ballon est perdu. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Ah, la frappe est bien contrée. Le pressing sur Marquinhos. Ah, le ballon est rendu. Oh là là, Donnarumma! Le corner. Et pas vraiment de danger sur cette tête. Et pour le gardien, c'est Noël anticipé. Cadeau. Ah non, le ballon est perdu là. Des solutions en attaque là. Oh, c'est contré! Ah, la frappe puissante passe très loin de la cage alors que le but semblait tout fait. Quelle erreur! Dans les tribunes, c'est la stupéfaction! La relance du gardien est un peu manquée. Noah Lang. Il faut centrer là-dessus. Ouais, il s'est donné en retrait. Ah, le ballon écarté de la zone dangereuse. Ah, il faut venir l'aider. Attention! Avec Joey Verman.
Le ballon vers Noah Lang. Et le tir, c'est contré par Marquinhos. Un bon corner pour revenir au score. Vers la surface, c'est récupéré, mais maintenant il faut vite se dégager. Et l'arbitre qui siffle, c'est donc la mi-temps au Parc des Princes. On va revenir sur la première mi-temps d'un joueur qui a été partout, c'est Ousmane Dembélé. Et voilà, c'est bien, son but donne l'avantage à son équipe, une belle récompense après son excellente première période.
À plus.